Vous savez quoi? Je viens de terminer le dîner d'Hermann Koch. Alors, ce roman commence avec un dîner dans un restaurant branché et huppé d'Amsterdam. Donc, les participants à ce dîner sont deux frères et leurs épouses. Mais les deux couples ne sont pas là pour passer une bonne soirée. Ils sont là pour parler de leurs fils respectifs qui, tous les deux, ont commis, quelques jours auparavant, un acte atroce, d'une barbarie épouvantable. Donc, ce roman est construit d'une façon assez machiavélique. Je dois dire qu'on se laisse tout de suite embarquer. On est stupéfait, horrifié par l'acte de ces deux jeunes adolescents. Donc je ne vais pas vous le révéler, cet acte. Et puis ce roman pose aussi des tas de questions, des questions qui sont très dérangeantes sur l'éducation, sur la sanction ou encore la place des enfants dans la société. Donc, si vous êtes intéressé par des questions d'éducation, de société, si vous avez des adolescents à la maison ou pas, eh bien, n'hésitez pas à vous plonger dans le palpitant roman d'Hermann Koch, Le Dîner.